J'ai oublié de dire une chose dans la vidéo par rapport à THMS qui dit que je lui ai recopié sur sa vidéo les nouvelles disciplines. Pour ceux qui ont vu les deux vidéos, vous avez pu voir que je dis tout simplement le contraire de tout ce que lui dit. Voilà, lui aime bien faire des fausses rumeurs comme The Crew 3 ou les nouveautés, ou les nouvelles disciplines. Alors que dans cette vidéo, je le dessors tout simplement. Je dis clairement que ça n'est que les motoneiges ne viendront pas. Tout simplement. Donc voilà, c'est une chose que j'ai oublié de vous dire et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Voilà tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo un petit peu spéciale en réponse à THMS. Du coup, si vous n'avez pas vu sa vidéo coup de gueule, je vous invite à la voir. Elle sera en description. Donc ici est une réponse à THMS qui cite dans sa vidéo qu'on le recopie, que j'ai... qu'il n'aime pas la personne que je suis, et plein de choses ainsi. Alors voilà, je tenais juste à dire que non, on ne le recopie nullement. Les nouveautés sur The Crew 2, on est des youtubeurs, enfin, on est des vidéastes sur The Crew 2, il n'y a pas 50 000 concepts à faire, il y a des nouveautés chaque semaine, et on se doit de la montrer à notre communauté. La différence entre lui et moi et d'autres youtubeurs, c'est que quand on fait des nouveautés de la semaine, entre parenthèses, on met les nouveautés qu'il y a. Lui, non. Lui se contente de mettre nouveautés de la semaine. Quand on est des vidéastes, on se tue à la tâche à faire nos propres miniatures. Ces miniatures ne viennent pas de lui, ces miniatures viennent d'un site sur The Crew 2. Il ne fait que prendre la photo, marquer The Crew 2 dessus. Et puis basta. Donc ça, c'est des petites facilités que je n'adhère pas. Je vais aussi vous expliquer maintenant en haut et en large d'où notre dispute a commencé. Tout a commencé au mois de décembre, du coup, en période de fête. THMS a fait une vidéo concours. De là, j'ai fait un concours. Lui a dit, moi j'ai fait un concours, tu me copies, bam, tu fais un concours. On est en période de fête, quasiment presque tous les youtubeurs font des concours. Tu n'as pas à reprocher à quelqu'un d'autre de faire un concours parce que toi, tu en fais un. Ensuite, la deuxième chose qui a mis des petits piments dans notre relation amicale, c'était ma petite intervention sur son concours qui était pour moi pas un concours. Je lui avais dit, gentiment dit, de faire un concours équitable, car son concours pour moi n'était pas équitable. Son concours c'était tout simplement regardez-moi des pubs sur Utip, vous gagnez des points et par rapport à ces points je ferai un classement et celui ou celle qui me rapportera le plus d'argent, du coup celui ou celle qui aura le plus de points gagnera le concours. Ça pour moi c'est pas un concours, tu fais un concours, ça doit être équitable pour tout le monde. Cherchez-moi un youtubeur qui a déjà fait un concours en échange d'argent. Genre que plus tu regardes de pubs et plus le concours sera grand. Ce concours a fonctionné. Du coup, ce qu'il a fait, il a essayé de le refaire au mois de janvier. Malheureusement, au mois de janvier, son concours n'a pas fonctionné. Personne n'a regardé des pubs. Du coup, vu que personne ne lui a rapporté de l'argent, le concours a tout simplement été annulé du jour au lendemain. Donc voilà, moi personnellement, je fais un concours, je l'annule pas du jour au lendemain. J'ai déjà fait deux concours alors que je gagne 0 cents, 0 centimes sur YouTube. Et ça a toujours été équitable. Mes viewers vous le diront, je suis quelqu'un d'honnête, de droit. Quand je fais quelque chose, c'est kiff-kiff pour tout le monde. Donc voilà, donc lui avait mal pris ma remarque. Puis il dit aussi qu'il s'inspire des autres youtubeurs mais ne copie pas. Quand tu copies pas une personne, tu ne fais pas la même vidéo le lendemain. Mes deux vidéos glitch sous la map, il les a fait le lendemain. Certes, il me cite, mais j'en ai rien à faire moi qu'il me cite. Citer celui qui a fait la vidéo, simplement se dédouaner de tout problème. C'est simplement dire, voilà, je l'ai cité,
Du coup, je peux reprendre sa vidéo. C'est trop facile. Tu peux pas reprendre la vidéo de quelqu'un d'autre et simplement dire voilà, je t'ai cité et maintenant je peux prendre ta vidéo. Simplement qu'il sait que cette vidéo peut faire des vues. C'est pour ça d'ailleurs qu'il vous dit j'ai plus de visibilité. Cette vidéo peut faire des vues, du coup il va faire la vidéo et il fera plus de vues. Mais ça, et je suis pas le seul youtubeur à dire ça. Je ne citerai pas les noms, donc je ne parlerai que pour moi. Donc voilà, il a pris des projets de plein de personnes. Je ne suis pas le seul. Même sur Need for Speed, par exemple, le premier glitch, c'est JCK qui l'a fait sur NFS. Bah, vous pouvez croire que le lendemain, THMS l'a fait aussi. Donc voilà, tout simplement pour dire, n'écoutez pas ce qu'il dit dans sa vidéo. Il dit aussi qu'il ne touche rien de YouTube car tout est bloqué. Tout est bloqué simplement pour être moins taxé l'année prochaine. Donc en gros, il est sûr de perdre moins d'argent. Donc voilà aussi, moi ce que je n'adhère pas non plus, c'est le fait de faire payer 25 000 de son argent virtuel pour le rajouter à un ami. Ça pour moi, c'est simplement pitoyable. Donc voilà, quand t'as des viewers, tu rajoutes tout le monde, après tu fais un tri et tu ne gardes que les plus fidèles. Mais tu ne fais pas payer pour être ami avec toi. Aucun youtubeur fait ça sur YouTube non plus. Alors ensuite, il parle qu'il vous fait gagner grâce à des points de fidélité sur Twitch. Je pense que le moins cher, c'est 2000 ou je ne sais pas combien. Enfin, les prix sont extrêmement chers. Du coup, avant d'avoir cette somme, je pense que vous avez le temps. Ensuite, pour revenir à ces pubs qu'il forçait un petit peu à regarder sur Utip, vu que son concours ne marchait plus, il a trouvé une autre façon d'obliger ses viewers à lui rapporter de l'argent sur Utip. C'est simplement la cagnotte en fin de live. En fait, de live Twitch, il vous fait gagner des THMS dollars en nombre de vues qui ont été visionnées dans les dernières 24 heures. Du coup, si vous regardez 40 pubs, il fera gagner 40 THMS dollars. Ce qui veut dire qu'avant d'arriver à 2000, vous avez largement le temps. Sachant que vous gagnerez jamais 40 THMS dollars en regardant un live. Ensuite, si aucune pub a été visionnée, vous gagnerez 0 THMS dollars. Donc ça aussi, c'est preuve que si on ne lui rapporte rien, il ne fera rien gagner. Donc voilà, j'ai pas envie de tout citer. Les preuves sont sur la chaîne. Je vous invite à regarder les chaînes de Tekken Game, de Gaming06, de JCK qui fait des vidéos sur Need for Speed et de regarder la chaîne de THMS et de comparer tout simplement. Et de là, je pense que vous verrez par vous-même que la plupart de ces vidéos sont repris le lendemain même d'une autre vidéo. Les seuls projets que lui a eu, c'est quoi? C'est le Gumball 3000, des choses ainsi, qu'il a 2-3 projets à lui. Donc voilà, moi je n'ai copié sur personne. Tous les projets que j'ai, je les ai faits moi-même. À part ceux qu'on m'a demandé, les seuls projets qui ne sont pas à moi, c'est Police, des choses ainsi. Mais je les fais à ma sauce. Par exemple, je fais un convoi de villa. Et d'ailleurs, THMS a repris ce concept de convoi de villa. Mais voilà, ça, je ne lui en tiens pas rigueur parce que on est des vidéastes sur ce coup de. C'est un jeu. Y a pas moyen de faire 50 000 de concepts. J'ai aussi des concepts propres à moi-même. J'ai les convois que je fais avec vous
j'ai le touche-touche, j'ai le crash test, j'ai plein de vidéos que je fais moi-même qui sortent de mon imagination. Ce n'est pas le cas de THMS. Lui, c'est tout par facilité. Je vois une vidéo qui fait des vues, je refais la même chose. Enfin, voilà. Moi, je tenais juste à dire que voilà, c'était un ami. Et j'ai peine à l'avoir perdu pour des gamineries. Mais c'était impossible de parler avec cette personne. Je ne sais pas comment on cite une personne qui se croit parfaite. Une personne qui se croit cette meilleure que tout le monde. Ce genre de personne a un nom, mais je ne saurais plus vous le dire. Mais voilà, en gros, je me perds un petit peu dans mes propos. J'ai essayé d'être le plus clair. Donc voilà, que non, je ne copie personne. Quand je fais les nouveautés de la semaine, je ne t'ai pas copié. On est des youtubeurs The Crew 2. Il n'y a pas le choix de présenter les nouveautés de la semaine à nos viewers. La différence, c'est que moi, je ne fais pas des titres putaclic. Je fais toutes mes miniatures moi-même. Les seules miniatures que je ne fais pas, c'est celles des lives. Celles que j'ai en live, je les prends sur Google. Ça, je vous l'accorde. Mais les miniatures que j'ai sur toutes mes vidéos, mais je les fais moi-même. Soit je prends la photo, soit c'est un abonné qui prend la photo et qui me l'envoie. Tandis que ces miniatures, comme je vous l'ai dit, viennent du site The Crew 2. Du coup, ça pour moi, c'est des facilités, ça aussi. Enfin, voilà. J'espère que j'ai été le plus clair. Aussi une autre chose, pour dire aussi que c'est aussi l'argent qui l'intéresse. Trouvez-moi un autre youtubeur qui spamme son code créateur tous les jours avec la photo de la boutique. Tu le spammes une à deux fois par semaine, peut-être, mais pas tous les jours. Enfin voilà, je n'ai pas. J'avais plein de choses à dire, mais là maintenant que je fais la vidéo, j'ai quasiment presque oublié la moitié des choses. Le principal, c'est que non, je ne le recopie pas. Personne ne prend exemple sur THMS parce que personne ne veut prendre exemple sur lui. On est plusieurs grands youtubeurs, donc je dirais pas les chaînes, mais il y a des chaînes à plus de 20 000 abonnés qui pensent la même chose que moi. Donc voilà, THMS, si tu écoutes cela, sache que je n'avais rien contre toi. Je ne t'ai jamais recopié et je ne le ferai jamais parce que ton contenu ne m'intéresse pas, tout simplement. Ne me prends plus des projets. Même si tu me cites, voilà, je ne veux pas que tu reprennes une de mes vidéos. Et puis voilà, je pense que j'ai été clair. J'ai perdu un ami pour des bêtises, car il était tout simplement et se croit le meilleur. Donc voilà, excusez-moi pour cette petite vidéo qui sort un petit peu spontanément. En tout cas, j'espère qu'elle aura été claire. Et voilà, je n'ai plus rien à dire. C'était Jabello. À la prochaine.